Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, Les Trésors en Poche, dirigés aujourd'hui par Benoît Mancheron, diffusés en direct, jeudi 11 juillet 2013, de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé, dans l'après-midi, de 14h à 15h, vendredi 12 juillet, de 6h à 7h, samedi 13, de 19h à 20h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Une émission en lieu et place d'Anne Brassier aujourd'hui et avec des invités que vous connaissez un peu, en tout cas que j'ai déjà invités à ma propre émission. Je veux parler de Thierry Martin et de Louis Bérémy qui nous font l'amitié aujourd'hui de venir discuter d'un livre et du sujet d'un livre tout à fait passionnant, consacré au Mont-Saint-Michel. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Benoît Mancheron. Voilà. Merci de nous avoir invités. Alors, Louis Hubert, vous êtes en fait à l'origine de cette réédition d'un livre de Paul Féval. Paul Féval, célèbre auteur, feuilletoniste du 19e siècle. On peut même dire l'auteur mythique du roman de Lagardère, du Bossu. De la Fée des Grèves. De la Fée des Grèves. Et ce livre était complètement inconnu et même plus sur les listes de Paul Féval. Il fallait s'appeler Louis Bérémy pour savoir qu'effectivement Paul Féval d'abord était catholique. Oui. Était devenu catholique. Devenu. Bon. S'est converti, oui. Et que Paul Féval avait commis un ouvrage, j'ose dire commettre, parce que c'est un ouvrage véritablement de foi, en même temps que d'historien, sur l'histoire du Mont-Saint-Michel et donc sur la personnalité, la fonction, le rôle de Saint-Michel en France et en Europe. Oui. Mais Thierry va nous parler de Paul Féval plus longuement, quoi, parce que c'est un homme qui mérite d'être respecté, d'être dans la hiérarchie chrétienne, parce que, en effet, c'est un Breton qui a été élevé catholiquement et qui a perdu la foi, quoi, et qui va être sauvé à un moment où il a failli mourir par son médecin. Il se mariera avec la fille de ce médecin et là, il redécouvrira la foi avec une générosité absolument extraordinaire. Alors, Thierry Martin n'est pas là par hasard. C'est que Thierry Martin a rédigé une préface au livre de Paul Féval, qui est d'ailleurs un fort beau volume, et que notre ami Jean-Jacques Lot a mis en page et qu'il a complété très utilement de considérations sur les monts Saint-Michel en Europe. On ne sait pas beaucoup qu'il y a quatre monts. On peut même en rajouter cinq si on compte, on inclut le mont Carmel pour les raisons qu'on dira tout à l'heure. Mais c'est un fort volume qui couvre une période très longue. Et Thierry Martin, vous avez donc pris l'initiative, d'ailleurs à notre demande commune, celle de Louis Hubert et moi-même, de rédiger cette préface pour un peu situer l'ouvrage et remettre son sujet dans la perspective à la fois historique et doctrinale. Oui, tout à fait. Alors, pour nos auditeurs, donc, toujours difficile par la parole
de montrer quelque chose qui est... Le livre, c'est aussi, c'est pas seulement qu'un acte intellectuel, c'est aussi quelque chose de physique, donc de matériel. Alors c'est d'abord un très beau livre sur le plan, je dirais, purement matériel. Donc c'est un livre de 300 pages, donc édité par les éditions Via Romana. Donc c'est un format 18-24, un livre donc de 300 pages sur du beau papier blanc, avec une couverture à rabat, ce qui est tout à fait aujourd'hui un petit peu déjà du luxe, même dans une édition ordinaire, et avec une couverture absolument magnifique. Une première de couverture absolument magnifique, oui. Donc, qui représente donc le Mont Saint-Michel tiré des riches d'heures du Da et du Duc de Berry. Hein. Ces livres d'heures absolument magnifiques. Donc qui était enluminé donc dans les monastères, et on a donc au-dessus donc du mont le combat célèbre entre donc le Saint-Michel et le dragon et le dragon. Avec, alors, avec au centre le Mont Saint-Michel et en dessous la cité terrestre. Et en dessous, voilà, c'est ça. C'est donc hautement symbolique. Exactement. Donc en bas, on a la cité terrestre. Au-dessus, on a la cité céleste, pour reprendre la vieille image de Saint-Augustin. Et l'une et l'autre, d'ailleurs, soit sont en connexion, soit sont en opposition, n'est-ce pas ? Et puis au-dessus, dans le ciel, on a fait Saint-Michel qui combat le dragon et qui en même temps est en quelque sorte le gardien du ciel, puisque même du point de vue théologique, il ne faut pas oublier que c'est lui le gardien de la porte du paradis et celui qui pèse les âmes à l'entrée donc au moment du jugement en particulier et au jugement dernier. Alors, revenons donc aux merveilles du Mont Saint-Michel. Oui, à votre préface. Voilà, à la préface. Pourquoi la préface. Une préface. Voilà, alors c'est intéressant parce que donc quand on consulte Wikipédia, on n'a pas les merveilles du Mont Saint-Michel de Paul Féval dans la liste des ouvrages. Et donc pourquoi cette préface. Ben d'abord, pour faire redécouvrir donc ce livre qui, comme je le dis, était encore inconnu au bataillon. Et puis surtout, en quelque sorte, pour donner un goût à lire donc à nos lecteurs, qui vont être, j'en suis sûr, nombreux. Donc pour faire redécouvrir à la fois donc Féval, parce que Féval c'est donc cet auteur prolixe, ce feuilletoniste, quelque chose qui est un peu aujourd'hui oublié. Donc c'est en quelque sorte un Eugène Sue de droite catholique, oui, par rapport à un Eugène Sue qui était donc un homme de gauche très laïque, très anti-chrétien. Et donc, pour faire redécouvrir donc ce Paul Féval et sa vie, qui est d'ailleurs donné dans le livre également en deuxième introduction, pour faire connaître donc le Mont Saint-Michel qu'on croit connaître et qu'en fait on ne connaît pas bien, parce que c'est d'abord c'est un lieu très français, c'est un lieu très chrétien, c'est un lieu très mystique, mais en même temps c'est un lieu très politique. Hein, c'est le lieu de tous les déchirements. Voilà. Français, aussi bien politique, économique, historique, c'est le lieu, spirituel. C'est le lieu géométrique, si vous voulez, des divisions extrêmes du pays, et c'est quelque part le signe aussi des grandes crises françaises. Hein, oui. Le Mont Saint-Michel a joué et jouera très probablement, a toujours joué en tout cas dans l'histoire jusqu'à présent, un rôle extrêmement important. C'est le lieu géométrique des crises françaises, parce que tout ça. Simplement, le royaume de France et la royauté sacrale française, qui naît avec Clovis et avec Saint-Remy, n'est-ce pas, ont tout de suite, en quelque sorte, et se sont également placés sous la protection de Saint-Michel. Et Saint-Michel, d'ailleurs, est intervenu à plusieurs reprises de manière absolument patente. Ça, c'est de l'ordre des faits. Comme diraient nos amis, ce sont des faits et pas seulement des inventions mystiques, mais c'est l'ordre des faits. Donc, à plusieurs reprises, donc dans l'histoire de France, soit d'ailleurs de manière directe, soit de manière indirecte, et notamment par exemple, c'est tout à fait intéressant. Paul Féval vous donne tout à fait raison sur ce point précis, puisqu'il dit l'archange a ouvert ses ailes et quitté son sanctuaire du pays romain. C'est ça. Le Mont Gargan. Pour couronner l'œuvre du baptême de Clovis et marquer d'un trait plus profond la prédestination de la France en arrêtant son vol sur le mont Tombes au sein de la nation choisie qui porte dans ses généreux flancs Charlemagne et les 10 siècles de gloire.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est la raison, le cœur même, si vous voulez, de la rédaction de cette préface. Et moi, j'étais à plusieurs reprises au Mont-Saint-Michel, et pas seulement en touriste, mais je dirais d'abord en pèlerin, même si aujourd'hui le pèlerinage n'est quasiment plus possible. Hélas. Voilà, donc. C'est devenu. Oui, tout à fait. C'est devenu les marchands triste, du temple. C'est triste, triste. C'est devenu épouvantable. Et puis même, il y a tout ce qui accompagne autour de la campagne, etc. Enfin, peu importe. Et donc, pour bien faire comprendre aux gens qu'on est là, en quelque sorte, on entre, si je puis dire, dans une troisième dimension, hein, de la politique et de la religion catholique, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est véritablement ce surnaturel incarné dans l'histoire de France, n'est-ce pas ? Cette action directe, si vous voulez, et qui se manifeste de Dieu dans l'histoire. Cette irruption, on peut dire, de la grâce dans l'histoire. Exactement, c'est ça. Oui. Hein, et cette manifestation donc, du divin à travers et par la personne, si je puis dire, de l'archange Saint-Michel. Hein. Par exemple, pour ne citer que cet exemple, l'archange Saint-Michel était auprès d'Henri IV le jour de son sacre, ce qui peut paraître assez étonnant. Saint-Michel, c'est aussi celui qui va instruire, n'est-ce pas, Sainte-Jeanne d'Arc. Hein. Et au moment d'ailleurs, il y a des choses, Féval a fait un travail de recherche absolument remarquable, et c'est ce qui est d'ailleurs d'autant plus intéressant dans ce livre, c'est à la fois son côté catholique, bien entendu, voilà. Son côté, c'est la plume de Paul Féval est tout à fait remarquable, mais ceci, c'est un livre scientifique. Un vrai livre d'historien. Exactement, parce qu'on nous a habitués à la Bibliothèque nationale, Archives d'Avranches, Archives du diocèse de Coutances. L'histoire se veut critique avec la critique des sources, etc. Et bien là, précisément, on est allé aux sources, des sources qui aujourd'hui, pour certaines, ont été détruites, notamment par les bombardements anglo-américains qui ont, comme on le sait, rasé la Normandie, et c'est peut-être pas tout à fait le fait du hasard. Mais c'est donc nourri d'une critique historique, d'une recherche des sources extrêmement importante et qui donne précisément à ce livre son prix. Hein, voilà. Et donc c'est vraiment cela qu'il fallait faire passer. Exactement. Voilà. Hein, qui sa valeur intellectuelle ou son prix intellectuel, bien entendu. Alors, avant qu'on évoque la figure de Saint-Michel avec Louis Hubert, ce sera la deuxième partie de l'émission, hein, puisque vous allez nous entretenir de ce qu'est le charisme propre à Saint-Michel Archange. Oui. Je vous propose d'entrer dans quelques aspects du livre. Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas évoquer évidemment l'histoire du Mont sans parler de l'immense figure de Saint-Aubert. Oui, alors le Mont, en fait, le Mont, c'est intéressant parce que le premier père abbé. Voilà, c'est la date de naissance, l'acte de naissance en quelque sorte du Mont, c'est 709. Hein. C'est l'ordre bénédictin. Le Mont Saint-Michel naît, si vous voulez, en quelque sorte à deux sources de grâce de l'Église catholique, apostolique et romaine. C'est d'une part l'ordre bénédictin, puisque Aubert est un bénédictin, n'est-ce pas ? Et d'autre part, c'est la réplique en France du Mont Gargan. Donc, si vous voulez, le Mont Saint-Michel est doublement romain. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Hein. Et donc, son acte de naissance, donc, c'est ce moine Aubert qui décide alors qu'il ne s'intéresse absolument pas au Mont, est réveillé par des songes plusieurs reprises. Il a par trois fois donc des visions en quelque sorte qui lui disent va donc installer sur le sommet de cette montagne qui est tout à fait étonnante, c'est-à-dire en pleine mer. Il n'est pas tout jeune, il a 60 ans. Oui, c'est ça. Il va installer sur cette montagne en pleine mer, montagne qui d'ailleurs était un mont qui dominait en fait à l'origine une forêt, puisque c'est une forêt qui a été envahie par la mer. Et Féval donne même les preuves scientifiques. C'est tout à fait extraordinaire. Oui. Je veux dire, moi j'ai découvert. À la place des marais. Exactement. Qui sont autour, c'était une forêt. Exactement. Dense. J'ai découvert complètement ces choses-là. Oui. Et donc, ses visions lui disent, n'est-ce pas, va installer donc un monastère sur ce pic. Ce pic qui émerge de la mer, n'est-ce pas ? Et alors évidemment, il veut éprouver, bien entendu, comme le dit saint Paul, éprouver les esprits s'ils sont véritablement de Dieu. En plus, il se voit mal en pleine mer, sur ce pic qui émerge, transporter des grosses pierres. Oui. C'est un homme pratique aussi. Hein. Et donc, il résiste. Et alors, il résiste tellement qu'à un moment, Saint-Michel, en quelque sorte, s'énerve, n'est-ce pas ? Et il apparaît lui-même. En quelque sorte, il cesse
il se substitue aux visions pour intervenir physiquement. Et c'est d'ailleurs comme ça que Saint-Michel, d'ailleurs, se manifeste souvent. Et d'ailleurs, on a d'autres exemples, par exemple, à la bataille de Montgisard, par exemple, qui est une des grandes batailles du Baudouin IV, le roi lépreux de Jérusalem, n'est-ce pas ? Saint-Michel descend avec les armées célestes. Voilà, Saint-Michel intervient directement et il touche de son doigt, enfin, du doigt de l'ange, c'est toujours un peu difficile, voilà. Puisque les anges n'ont pas de cœur. Il se matérialise et il touche le crâne d'Aubert et lui perce le crâne littéralement et il pénètre même dans la cervelle, dans le cerveau, etc. Et alors on a donc aujourd'hui, donc au XVIIIe siècle, Aubert ensuite a été inhumé sur le Mont, bien entendu, dans son abbaye dont il était fondateur. On a retrouvé au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, donc on a retrouvé donc tout le squelette d'Aubert, donc du moine Aubert, et on a retrouvé notamment le crâne dans lequel il y a bien en effet ce trou au niveau pariétal droit, n'est-ce pas ? Et alors, c'est à la page 64 du livre, et il y a donc eu une analyse, bien entendu, médicale, comme quoi la foi et la science ne sont loin d'être opposées, mais au contraire convergent toujours. Et donc, un médecin a donc constaté donc ce trou, et qui est évidemment inexplicable, et qui aurait dû normalement entraîner la mort. Or là, Aubert n'est pas mort du doigt de Saint-Michel. Du tout. Voilà. Mais celle-là, ça a provoqué donc un pèlerinage au Mont Gargan. Voilà, c'est ça. Donc, il a envoyé des... Enfin, À la suite, donc, quand il comprend qu'il faut en quelque sorte se bouger, si je puis dire, donc... Il envoie donc un certain nombre de moines donc au mont Gargan, donc qui vont mettre 2 ans, enfin une bonne année, plus presque 18 mois pour revenir. Donc alors au Mont Gargan, on sait que Saint-Michel donc est apparu, n'est-ce pas, et il a demandé donc une parcelle du vêtement écarlate laissé par Saint-Michel lors de son apparition, et c'est qu'un fragment du marbre sur lequel il avait baigné. Se rendent visibles. Reviennent avec cela. Voilà, c'est ça. Alors, c'est avec un certain nombre de livres aussi enluminés, etc., avec un certain nombre d'objets liturgiques. Oui. Donc, en quelque sorte, donc, si vous voulez, le Mont Saint-Michel est à la fois un peu le fils du Mont Gargan, mais il va prendre, beaucoup plus que le Mont Gargan, une importance nationale et même universelle. Hein. Et donc... Il va être encore, en quelque sorte, l'épée de la foi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le Mont Saint-Michel donc va tout de suite en quelque sorte entrer. À la fois, ça va être un lieu de foi, si vous voulez, une de ces collines où souffle l'esprit, comme dit Barrès, hein, mais en même temps, il va entrer, je dirais, dans la mystique nationale. Hein. Voilà. Léon Gautier parle de la religion nationale. Oui. Les papes Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, qui sont les grands papes de l'antilibéralisme à la jointure du fin 19e et début 20e, parlent souvent de l'alliance de la religion et de la patrie. Ça revient 30 fois, par exemple, dans les actes du Saint-Siège sous Pie X. Chaque fois qu'il avait un pèlerinage de laïcs, il parlait donc défendait pour la religion et la patrie. Eh bien, le Mont Saint-Michel est en France, bien entendu, cette alliance mystique de la religion nationale, n'est-ce pas, qui unit donc la religion et la patrie. Et comment ça va se produire? Ça, c'est extrêmement intéressant pour la suite de notre émission et la suite de ce que doivent savoir les lecteurs. C'est qu'en fait, vous avez une incarnation. Parce que c'est vraiment comme ça. Le catholicisme n'aurait-il pas les preuves de la vérité par le fait que son fondateur est Dieu, mais il aurait quand même les preuves en quelque sorte de sa vérité parce que c'est une religion incarnée, n'est-ce pas ? Une religion incarnée et qui tire vers le haut, qui élève au plein sens du terme ses fidèles, si vous voulez. Et là, le Mont Saint-Michel est vraiment l'incarnation en quelque sorte de la religion catholique dans le fait français, dans le fait historique. Et ça repose sur quelque chose de tout à fait précis, qui sont des actes juridiques d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on aime bien le droit, la jurisprudence, la législation, etc., etc., pour en faire d'ailleurs n'importe quoi, et même souvent d'ailleurs, on l'a vu récemment, l'étalon du mal, si je puis dire, mais là on a véritablement l'étalon du bien, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il va y avoir un acte du pape de Rome, un acte du pontife romain, du chef de l'Église catholique, qui donne en quelque sorte sa constitution, qui approuve les statuts, qui approuve la fondation donc de cette abbaye. Et qui lui donne une
une franchise. Voilà, c'est ça. Une indépendance exactement. Totale par rapport, non, en principe, au pouvoir exactement. Politique. Exactement, et qui en fait une petite démocratie, oui. d'ailleurs. Fait, oui. Exactement, oui, c'est oui, ça que oui, tu oui, mais incroyable. Donc, mais la vraie démocratie, la vraie démocratie, c'est celle qui fonctionne sur ce qu'on appelle le primus inter pares. C'est-à-dire que ce sont des gens compétents dans un domaine, compétents, qui élisent un de leurs pairs. Là, la démocratie fonctionne parfaitement. Et donc, la démocratie monastique, eh bien, va faire que l'abbaye du Mont-Saint-Michel, pendant un certain nombre de siècles, élira les moines, éliront leur père abbé. Et c'est le jour où il va y avoir la voilà. commande, c'est-à-dire qu'on va vouloir, le duc de Normandie, voilà. ou les rois, vont vouloir imposer leur candidat pour récupérer l'argent de l'Église, parce que c'est toujours derrière l'idée de récupérer pour le nourrir des fisques âpres et des trésors toujours vides. Et donc, vous avez donc l'acte du... Mais pour en revenir donc à cette il y a une sorte de géométrie, si vous voulez, de triangle qui unit donc le pape, qui donne donc cette indépendance, ces statuts, à cette fondation donc de l'abbaye sur le Mont-Saint-Michel. Vous avez le deuxième pôle, si je puis dire, la deuxième pointe, c'est le duc de Normandie. Et au début, les ducs de Normandie sont des gens tout à fait bien. Après, ça va beaucoup dérailler. Mais donc qui donne également une des exemptions fiscales, qui va donner énormément oui. d'argent pour édifier au fur et à mesure l'abbaye, qui va brûler un nombre de fois considérable, etc. Et puis en même temps, il fait allégeance au suzerain, c'est-à-dire au roi de France, et le roi de France fait la même chose, si vous voulez. Et donc on voit que, si vous voulez, que cette espèce de triangulation, si je puis dire, pour un terme physique, n'est-ce pas ? Alors vous avez oublié dans le triangle le rôle de la perfide Albion. Oui, et ben ça, la perfide Albion, si, elle est... C'est la dérive du duché de Normandie, et notamment quand il va devenir roi d'Angleterre. C'est pas... Mais identifier la perfide Albion à la Normandie. Non. En fait, il y a deux temps, jusqu'à Philippe Auguste, oui. bon, quand Philippe Auguste reprend la Normandie et qu'à ce moment-là, les Normands deviennent anglais et seulement anglais, si vous voulez. Hein. Et donc, mais vous avez en fait ce jeu à trois, oui. si vous voulez, entre le pape. Oui. Entre le duc de Normandie ouais. et, là, bien entendu, les pères abbés, qui sont des personnages tout à fait considérables, qui sont qui ont presque un statut de ministre, je dirais, oui, dans oui. le gouvernement ducal normand. Et puis enfin. Donc le roi de France. Hein. Et alors on va bien voir qu'au fur et à mesure des siècles, si vous voulez, et jusqu'à partir de Philippe Auguste, donc les ducs normands, si vous voulez, qui en plus deviennent plus puissants que le roi de France et donc sont en train de renier en quelque sorte le lien de vassalité, en fin de compte, le roi de France va se substituer à eux, n'est-ce pas hein. Et en même temps, donc les pères abbés, en quelque sorte, vont remplacer le duc de Normandie pour, en quelque sorte, constituer la troisième personne de ce jeu très 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 subtil et qui permet, si vous voulez, encore une fois, donc au duché de Normandie comme au royaume de France, donc de s'appuyer, n'est-ce pas, sur la religion et la patrie, donc de s'appuyer sur cette mystique nationale, n'est-ce pas, qui nourrit en quelque sorte la royauté sacrale. Ah, parce que c'est quelque chose de très difficile à comprendre aujourd'hui. Nous sommes dans le charisme propre des bénédictins. Voilà. Bénédictins prenant possession de la montagne angélique apportaient avec eux ce faisceau extraordinaire d'aptitude, apanage de leur ordre, qui savait bâtir les cathédrales, modeler les statues, sculpter les retables, tailler les colonnes, ciseler les ostensoirs, chauffer les vitraux, enluminer les manuscrits. Voilà. Les fils de Saint-Benoît savaient pratiquement tout. Ils allaient être tout ici et plus que tout, car il leur fallait vaincre l'impossible. Voilà, alors il y a à la fois le défi, il y a le défi technique, bien entendu, de la construction. Il y a la fameuse bibliothèque, voilà, avec le fameux père abbé Ménard. Voilà, le Mont-Saint-Michel est un objet de science, est un lieu de science, un lieu de culture tout à fait extraordinaire, puisque, par exemple, c'est au Mont-Saint-Michel que, pour la première fois, sont publiées en Europe les œuvres de Cicéron, par exemple. Hein. Donc non seulement on s'intéresse aux auteurs, bien entendu, ecclésiastiques, mais également aux auteurs laïcs. Alors je peux pas tellement, il y a tellement à dire que voilà, et puis je ne voudrais pas mobiliser la parole. Et vous aviez raison de souligner avant qu'on commence cette émission que Guggenheim avait évoqué et cette question-là. Et il avait battu en brèche complètement absolument. Cette idée que tout nous venait de n'est-ce bien pas entendu, de, bien de entendu, l'islam. Oui, l'idée que oui. c'est à, que c'est dans la dans, les, dans l'Espagne voilà. islamisée que oui. la civilisation antique ou le meilleur de la civilisation antique a été
transmis à l'Occident, c'est totalement faux. Ce sont précisément les moines, les bénédictins, et un des grands lieux, et chapeau à M. Guggenheim, qui est d'ailleurs pas du tout un catholique, mais chapeau à M. Guggenheim d'avoir réfuté ses propres collègues, et dans une polémique extrêmement violente, et d'avoir démontré que, comme l'explique d'ailleurs Don Guéranger, le conservatoire du meilleur de la science antique, c'est l'Église catholique. Alors, avant peut-être d'aborder des questions plus historiques, notamment d'évoquer un peu la guerre de Cent Ans et la Révolution, on ne pourra pas évidemment faire tout le... Parce qu'il y a aussi l'épisode de Sainte-Jeanne d'Arc. Bon, on va interroger quand même Louis Bert sur cette question. Louis Bert voulait et tenait, à juste titre, à nous rappeler le charisme propre à l'archange Saint-Michel. Oui, le bon Dieu a créé deux sortes de créatures, les anges et les hommes. Dieu les a créés pour être éternellement heureux, éternellement dans son amour infini, et donc les éprouve. Et a envoyé donc à chacun des épreuves, nous savons nous pour les hommes ce qu'il en est, et nos auditeurs savent peut-être pas toujours quelle est l'épreuve des anges. Et elle est terriblement liée à Saint Michel, comme nous allons le voir. Le bon Dieu a présenté un jour aux anges qui donc vivaient devant la contemplation. La figure de Saint-Michel apparaît dans l'Ancien Testament. Ah oui, mais ça, on va en parler très en détail. Hein, d'accord. Voilà. Et donc, avant que les créatures humaines soient donc créées par Dieu à un moment déterminé, les anges ont eu leur épreuve pour montrer qu'ils préféraient Dieu plus que tout, quelle que soit la chose. Et cette épreuve est très simple. Dieu leur a dit qu'un jour, il créerait des créatures inférieures, que ces créatures, pour donc aller elles aussi au ciel, que ces créatures pécheraient et que Dieu serait obligé de s'incarner pour racheter le péché de ces créatures. Et qu'il mourrait sur une... Bon, attendez. Et donc... c'était pour les anges quelque chose de scandaleux, puisqu'ils n'avaient absolument pas conscience de ce que pouvait être le péché, eux qui contemplaient l'infini en tout, etc. Et il y a eu une sorte de réaction dans le ciel en disant « Mais pourquoi créer une nouvelle créature? À quoi ça rime tout ça ?» C'était simplement pour faire l'épreuve des anges. Et Dieu va encore plus loin. Et il dit qu'il s'incarnerait dans le sein d'une vierge qui deviendrait la reine des anges. Et là, Lucifer, qui était donc le porte-flambeau, il faut savoir que Bouddha veut dire le mot Lucifer aussi, tout ça c'est lié. Et Lucifer a vu que sa place était devait être prise par cette créature inférieure d'un monde de péché. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Et alors, il y a une campagne dans le ciel. Bon, tout ce qui est angélique est très rapide, ça a été instantané, etc. Et il y a le second ange, c'était donc le bras droit de Lucifer, qui s'est révolté contre Lucifer en disant « Michael, quis ut Deus ? Qui est capable de juger Dieu, capable d'aller contre Dieu ?» Il y a une bagarre dans le ciel. Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu, qui est capable de... Mais quelle est une créature peut-elle être capable de juger son créateur ? Mais c'est impensable. Et Dieu sait pourtant si à notre époque tout le monde le fait. Mais ça veut dire combien nos esprits sont insensés. Bien. Et à ce moment-là, donc un tiers des anges, comme dit l'Apocalypse, ont été précipités en enfer. Donc. Et à ce moment-là, les créatures se sont trouvées en grande difficulté parce que comme l'explique très très bien Monseigneur de Lassus dans la conjuration antichrétienne au chapitre 54 et 55, le combat qui a commencé au ciel continue sur terre. Et donc nous avons absolument toujours devoir de combattre contre Lucifer, qui est l'ennemi du genre humain, l'ennemi des gens qui veulent se sauver, et donc qui va nous attaquer de deux manières, par la triple concupiscence et par l'erreur socialisée. Les fausses religions, les fausses philosophies, les fausses politiques, etc. etc. quoi. Et Saint-Michel va être lui... C'est d'abord un péché d'orgueil. Alors là, c'est très intéressant. On dit d'abord c'est un péché d'orgueil. Non, le père Dupont explique que c'est d'abord un péché d'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Et ce péché d'ingratitude, eux qui auraient dû, bien sûr, continuellement, donc en pleine réaction de grâce vis-à-vis de Dieu qui les avait créés, quoi, pour profiter de son amour, ils ont été obligés d'être orgueilleux pour résister à cela. C'était une épreuve terrible, et donc un tiers des anges ont chuté. Bon. Et Saint-Michel est devenu l'ange protecteur, par excellence. Il est devenu le premier des anges. Et savez-vous qui est l'ange gardien de la Vierge Marie ? La question, personne ne se pose. Et la Vierge Marie, comme toute créature, a un ange gardien. Et son ange gardien, c'est Saint-Michel. Bon, je l'ai lu, c'est évident, quoi, etc. Vous l'avez lu où ? Dans les Pères de l'Église. Je me souviens plus exactement de la référence, quoi. J'ai recherché, puis perds la mémoire avec tous mes médicaments, etc. Bien. Et Saint-Michel va avoir un rôle extraordinaire dès le début de la création.
Par exemple, c'est lui qui encouragea et instruisit Adam, notre premier père, après son péché. C'est lui qui donna, accompagna Adam pour nommer tous les êtres de la création. C'est lui qui retint la main d'Abraham pour ne pas immoler son fils Isaac. C'est lui qui délivra les Israélites de la captivité d'Égypte et les conduisit à pied sec par le milieu de la mer Rouge. C'est lui qui apparut à Josué après le passage du Jourdain et le rendit maître de Jéricho. Il transporta Enoch dans le paradis terrestre pour attendre la fin du monde et le temps du dernier jugement. Il conserva l'arche de Noé après l'avoir remplie d'animaux de toutes sortes d'espèces. Il lutta contre Jacob, le bénit et le préserva des embûches de son frère Ésaü. Il donna la loi à Moïse sur la montagne du Sinaï. Il extermina Corée, Dathan et Abiron. Il empêcha le faux prophète Balaam de maudire le peuple de Dieu. Il se fit voir à Gédéon et l'anima à combattre contre les Midianites. Il rendit David victorieux de Goliath et le délivra de la persécution de Saul. Le don de Moléon. Oui, j'arrête là. Cite simplement des références données dans les Bollandistes. Donc, ce sont des références sérieuses. Tout à l'heure, je vous titillais un peu sur l'Ancien Testament. Délivra le peuple juif de la captivité de Babylone. Il conserva la pureté de Judith dans le camp de l'Orphène. Il ordonna à Saint Gabriel d'expliquer à Daniel le mystère du sacrifice perpétuel. Il transporta Habacuc par les cheveux pour nourrir Daniel. Il parut au milieu des trois enfants dans la fournaise de Babylone. Il fortifia les Maccabées. Voilà. Et donc, Saint Michel a même un rôle au calvaire. Il soutient les saintes femmes. Voilà. Il apparaît aux saintes femmes et surtout à Marie-Madeleine. Il commanda à Saint-Philippe Diaque de s'approcher du chariot de l'eunuque éthiopien. Il apparut à Corneille. Il délivra Saint-Pierre des prisons d'Hérode, etc., etc. Saint-Michel a été le protecteur de la synagogue. Il n'est pas moins le protecteur de l'Église de Jésus-Christ. Bien. Et là, j'aimerais savoir d'ailleurs ce que la synagogue enseigne sur Saint-Michel. Et enseigne-t-elle encore ce lien qui nous unit terriblement autour de Saint-Michel, la synagogue actuelle, quoi. Oui. Et je voudrais souligner pour nos auditeurs, il y a quelque chose qui me paraît très important dans Saint-Michel. Saint-Michel est un guerrier. Que la vie de toute créature est une guerre. Nous sommes dans l'Église militante. Nous l'oublions tout le temps. Nous sommes devenus dans un monde complètement efféminé, un monde complètement édulcoré, et nous n'avons plus du tout le sens du combat, et nous ne formons même plus des chrétiens combattants. Des combattants de la foi, tous les évêques devraient être des combattants de la foi, nous n'avons pas d'évêques combattants de la foi. Nous avons des distributeurs de sacrements, nous avons des consommateurs de sacrements. Eh bien, Saint-Michel nous rappelle qu'il est le chef. Du moins, on a très peu. Ou très peu, bien. Que nous sommes dans une guerre éternelle. La guerre entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Et ce qui fait que lorsque nous voulons défendre le bien contre le mal, le vrai contre le faux, il faut s'appuyer sur Saint-Michel. Et s'appuyer sur la démocratie, ou s'appuyer sur les droits de l'homme, ou s'appuyer sur les bonnets phrygiens, ou s'appuyer, c'est sûr d'aller dans de faux combats et dans de fausses victoires. On ne peut gagner des choses, comme l'enseigne Sainte Jeanne d'Arc, qui elle-même va être formée, et elle va être formée pendant 3 ans, comme je l'ai déjà dit dans une autre émission. Jeanne ne devient pas lieutenant, ni capitaine, ni commandant. Elle arrive chez Charles, elle est générale en chef. Elle a été formée par Saint-Michel, générale en chef, donc des armées célestes, elle devient générale en chef des armées royales. Et aucun des grands lieutenants, les Laïrs, les Xaintrailles, etc., ne discute Jeanne. Parce que son autorité, parce qu'elle a le coup d'œil, parce qu'elle a l'inspiration de Saint-Michel, elle a la formation de Saint-Michel, elle a un courage, elle n'a aucune peur devant le combat, etc. Et c'est ce que forme Saint-Michel. Et donc, on est à l'heure où il faut relancer Saint-Michel. Ce livre, j'ai beaucoup tenu à ce qu'il ressorte, parce que, il existe d'autres livres. Par exemple, les éditions Saint-Rémy ont sorti un excellent livre de René Ringaud, Saint-Michel, ange de la France et du peuple français, que je conseille donc d'acheter aux éditions Saint-Rémy. Mais ce livre est très complémentaire, parce que plus de la moitié de livres, c'est des combats. Oui. Avec une obstination et de génération en génération, toujours un peu contre le Mont Saint-Michel est quand même l'un des monuments les plus visités de France, et on passe complètement à côté de ce que ça représente. Exactement. Voilà. Non seulement d'un point de vue historique, mais d'un point de vue spirituel. Voilà. C'est ça le drame. Et là, nous allons arriver dans des combats terribles, et c'est pour ça qu'on a donc relancé Jésus-Christ, roi de France, par le livre que j'ai écrit avec mon épouse.
épouse, hein, préface de Thierry Martin sur donc Jésus-Christ roi de France, le message de Jeanne d'Arc. Il est sorti un très très beau livre, hein, sur Marie, reine de France, hein, qu'il faut être complètement imprégné de ces choses-là. Et Saint-Michel est complète, parce que donc on va arriver dans des impasses totales, on va arriver dans des échecs continuels. Alors, quand vous disiez qu'il était l'ennemi, on peut dire, des Lumières, n'est-ce pas, et donc de Satan, le premier ennemi de Satan, ça se vérifie, Thierry Martin, pendant la Révolution. Oui, hein, tout à fait. Où non seulement le Mont-Saint-Michel est saccagé, mais où Paul Féval nous dit que le conventionnel et citoyen Lavallée, faisant un voyage de découverte dans le nouveau département de la République, écrivait ces choses pleines de délicatesse et de goût. Une des curiosités du département de la Manche est le Mont-Saint-Michel. Ce n'est qu'un rocher. Il était couvert de moines, un saint Aubert ayant trouvé très plaisant d'y bâtir un temple et d'y placer 12 chanoines assez complaisants pour servir le vainqueur de Satan, pourtant cet ange révolutionnaire. Oui, tout à fait. Ce n'est pas moi qui le fais dire aux citoyens. Exactement. Il est vrai qu'il ajoute tout de suite après, « Ô Christ, le plus républicain des sages, toi qui portais écrite sur ton cœur la Constitution. » Quel mélange. Mais oui, bien entendu, c'est évident. Non, oui. Il faudrait réinsister, oui. Parce que la mystique et la politique, contrairement à ce qu'on peut croire et à ce qu'a si brillamment d'ailleurs dit Charles Péguy, ce grand français, ce grand chrétien venu et passé par l'école normale supérieure socialiste de son époque, ce qui est d'autant plus remarquable, c'est pas, la politique et la mystique sont totalement liées. Et refuser l'une et refuser l'autre, c'est comme l'a bien expliqué l'ami Louis Hubert, se condamner non seulement à l'impasse, mais à l'échec. Et Dieu sait si toutes les tentatives de restauration nationale, je mets ça entre guillemets, je ne parle pas d'un mouvement, je parle d'une démarche politique, toutes ces tentatives de restauration d'hier, d'aujourd'hui, peut-être de demain, se sont révélées à la fois des impasses, des échecs, et pour certaines même des échecs tout à fait sanglants. Je parle en particulier à l'affaire de l'Algérie française, dont ma famille a beaucoup donné et beaucoup souffert dans cette affaire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour revenir donc à Paul Féval, aux merveilles du Mont-Saint-Michel, puisqu'on est là pour cela, n'est-ce pas, ce qui est intéressant de voir, c'est la couverture, et je crois que vous êtes en partie, peut-être même totalement à l'origine du choix, c'est qu'en fait, cette couverture, donc avec en bas la cité terrestre, au milieu la merveille, parce que l'abbaye du Mont-Saint-Michel est surnommée la merveille, et tout en haut, Saint-Michel dans le ciel, tapant, si je puis dire, le dragon, comme on dirait aujourd'hui, eh bien c'est véritablement bien l'image de cette alliance du mystique et du politique, n'est-ce pas ? Parce que dans les évangiles, il est bien dit que le combat que tout chrétien militant, ça veut dire en latin classique le soldat et en latin médiéval le chevalier. Et tout cela n'est pas totalement le fait du hasard, bien entendu. Pas. Nous sommes dans un combat, et dans un combat qui est un combat naturel, un combat matériel, un combat physique, et Dieu sait si le Mont-Saint-Michel a été l'objet d'attaques physiques, militaires, etc. Et en même temps, c'est un combat mystique, un combat contre des ennemis visibles, sur lesquels on peut taper, sur lesquels on peut tirer, si je puis dire, mais également des ennemis invisibles et qui sont beaucoup plus dangereux et qui sont bien entendu les démons, lesquels ont été vaincus une première fois précisément par les anges sous le commandement de Saint-Michel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les combats que mène le catholique, que mène le militant chrétien, si je puis dire, au sens théologique du terme, c'est un combat en esprit et en vérité. C'est-à-dire, et en esprit et en vérité. Et les deux mots sont extrêmement importants, en quelque sorte, et c'est 50-50. Ils constituent les deux jambes, si vous voulez, du combattant. La première jambe, c'est la jambe de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut... Et la vérité, c'est qui ? C'est très simple. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ incarné. Donc, quand on n'est pas dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on ne replace pas la politique dans l'optique évangélique et le code politique de la société chrétienne, contrairement à ce que disent beaucoup d'ailleurs, c'est pas le décalogue, ce sont les béatitudes, ce qui est beaucoup plus difficile à atteindre et beaucoup plus exigeant. Oui. Et d'ailleurs, c'est bien ce que dit saint Augustin. Très juste. Mais oui, bien entendu, ce sont les béatitudes. Ça n'est pas qu'une loi négative. Non, et bien entendu, parce que le décalogue, en effet, bon, oui, etc. Ah ben oui, je pique pas la femme de mon voisin et je mets pas la main dans la caisse de mon c'est patron. C'est droit naturel. Donc je suis un bon catholique. Non, c'est pas ça être catholique. Donc le code de la société chrétienne, et d'ailleurs c'était comme ça que c'est dit au Moyen-Âge, ce sont les béatitudes. Et les béatitudes nous sont données par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ incarné, c'est le code. Jésus-Christ n'est pas un réformateur politique, c'est pas Luther ou c'est pas Mahomet. Mais
à travers les béatitudes, il nous a donné, d'une certaine façon... Un esprit. Voilà, les principes de la société chrétienne. Non pas un code politique stricto sensu, c'est pas la charia, bien entendu, mais les principes même de la société chrétienne. Donc ça, c'est la première jambe, c'est la jambe de la vérité. Et puis, il y a la deuxième jambe, qui est la jambe de l'esprit. Et encore une fois, et l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne combat pas de manière différente que Jésus-Christ lui-même a combattu. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire « Bon, d'accord, j'ai compris, j'y vais ». Non, il y a aussi une méthode, hein. il y a un mode d'emploi. Et ce que donne le Mont-Saint-Michel, et ça, je crois que il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce livre de Paul Féval, si vous voulez, et les lecteurs auront vraiment le choix de le lire en quelque sorte, j'allais dire pas à dose homéopathique, mais de le goûter en quelque sorte. Oh, en oui. plus, hein, parce qu'en plus, il y a un style. Féval, c'est un vrai auteur, je dois dire. Bon, moi, j'ai découvert Paul Féval. Si vous voulez, il faut véritablement goûter et presque méditer. Et je ne dis pas ça totalement par hasard. Parce qu'en fin de compte, le combat, il y a un mode d'emploi du combat catholique. Et il s'engage comment? Et c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne, le combat. Notamment dans les sièges. Je pense en particulier toutes les tentatives anglaises. Mais les tentatives, à mon avis, les plus intéressantes, en tout cas en ce qui me concerne, c'est les tentatives protestantes. Parce que l'anglais, après tout, je vais être peut-être un peu... La guerre de 100 ans, ça oui, me semble... Oui, mais après tout, l'anglais, il servait sa nation. Oui, c'est vrai. Le problème pour un patriote, c'est pas de reprocher à l'autre sa force, c'est de se reprocher à lui-même sa faiblesse. Et après tout, l'anglais faisait son boulot. Les protestants, et c'est les protestants français cette fois-ci, là on est dans une guerre civile et dans une guerre religieuse. Et là, véritablement apparaît cette vraie dimension du combat catholique. C'est-à-dire que avant d'engager le combat, il y a d'abord le temps de méditation et de prière. Quel est l'esprit dans lequel je veux combattre? Ça, c'est très important. Hein, et ça se manifeste, par exemple, une fois, il y a eu un assaut des protestants. Ils ont essayé de monter par le système de poulies qui permettait de passer les vivres de la ville jusqu'à l'abbaye, n'est-ce pas? Et puis ils y arrivent, etc. Ils sont massacrés. Eh bien, ils sont pas fini. Ils massacrent les protestants. Eh bien, les autorités du Mont ne les félicitent pas parce que l'ennemi, on le capture. Même quand il agit par ruse, mais on ne le met pas à mort. On respecte l'ennemi blessé, n'est-ce pas? Bon, on le met hors d'état de nuire, mais on respecte. Une autre fois, par exemple, toujours les protestants, n'est-ce pas? Ils se sont emparés de la ville du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire du bas en quelque sorte. Ils n'ont pas réussi à pénétrer à l'intérieur donc de l'abbaye qui est une forteresse. Avant même d'être une abbaye, c'est une forteresse. Hein, et ils ont procédé par ruse et de manière tout à fait scandaleuse en provoquant des assassinats. Eh bien, le chef qui était à Darcourt d'ailleurs, le chef de la garde du Mont-Saint-Michel, ils sont une cinquantaine, hein, c'est très très peu, en face il y avait des centaines d'assaillants, hein, il met à mort les trois chefs. Et les autres, les seconds couteaux, il les renvoie. Ça, c'est vraiment le combat en esprit et en vérité. Et il y a toujours la dimension très importante, et ça, on voit bien combien Jeanne d'Arc a été bien formée par Saint-Michel, parce que pendant que les hommes d'armes combattent au Mont, Les moines sont dans les stalles et prient et font monter la clameur, comme ils disent. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les prières au bas de l'autel de la messe catholique, il y a « et clamor meus ad te veniat » et que mon cri, au sens fort du terme, et que ma clameur monte. Et donc, et à plusieurs reprises d'ailleurs, les moines même s'installent dehors quand l'ennemi est très pressant, notamment au moment des assauts anglais, n'est-ce pas? Et ils crient vers le ciel. Oui. Et à ce moment-là, la situation se retourne. Notamment, il y a cette bataille absolument extraordinaire qui est une réplique de Patay. Hein, le 17 juin 1431, alors que Jeanne d'Arc vient d'être mise à mort par les Anglais, c'est pas, sur la Grève se déroule une immense bataille. Moi, j'ai découvert qu'il y avait eu une bataille qui aurait fait 20 000 morts anglais, n'est-ce pas, et où les Français étaient extrêmement peu. Ils sortent du Mont-Saint-Michel, ils sont une cinquantaine, n'est-ce pas, et il y en a d'autres qui arrivent de Pont-Orson, n'est-ce pas. Les Anglais sont pris à revers, mais ils sont en nombre extraordinaire, extrêmement bien armés, parce que l'Angleterre est une puissance industrielle, une puissance financière, n'est-ce pas, et qui a un réseau d'espions qui sont d'ailleurs souvent composés par des Français eux-mêmes, n'est-ce pas. Et donc vous avez cette immense bataille sur la Grève, n'est-ce pas, qui balaye les Anglais, n'est-ce pas, et qui est en fait la réplique normande de la bataille de Patay, puisque vous savez que la bataille de Patay, c'est le 18 juin 1429, c'est le vrai 18 juin, n'est-ce pas, hein, 3000 morts anglais, 5 morts français. Mais comment ça s'est passé? Toujours en esprit et en vérité. Parce qu'avant, d'abord, les gens combattent en état de grâce.
Avant, ils ont prié, ils se sont mis en quelque sorte en retraite avant d'engager la bataille. Hein. Et ce sont des gens donc en état de grâce, ce sont des gens ayant fait retraite, ce sont des gens sachant parfaitement les enjeux mystiques et politiques, mais mystiques d'abord et politiques ensuite, chrétiens, catholiques, du combat qu'ils vont envoyer, qui remportent la bataille. Hein. Et ça, c'est véritablement extrêmement important. Et donc, un auditeur de Radio Courtoisie vous demande, pourriez-vous parler moins vite? Votre émission est passionnante, mais nous avons le plus grand mal à vous comprendre. Excusez-moi, nous allons parler un peu moins vite, mais il y a de la passion dans. Il y a tellement de choses à dire. Donc, il faut essayer de faire un concentré, et c'est difficile. Oui, c'est vrai. Et là, donc, notre ami Thierry vient donc de bien souligner donc la communion qu'il y a entre donc les soldats et à ce moment-là. Les puissances angéliques interviennent. Voilà. Les puissances angéliques n'interviennent pas si le combat n'est pas tout orienté sur le combat de notre Seigneur, etc., exactement. Et les ennemis. Voilà. Et si on se trompe dans la grille ami-ennemi, si on se trompe dans l'approche du combat de la grille ami-ennemi, nous allons à la défaite, comme nous, ça nous est arrivé depuis 200 ans de défaite, de défaite. C'est bien pour ça qu'on a eu la révolution. Voilà, absolument. Alors, quand on nous prêchera donc le véritable combat catholique, peut-être que tout ça, c'est un peu providentiel de redécouvrir ça en ce moment. Le temps passe, mais j'aurais aimé, Thierry Martin, avant que la conclusion revienne à notre ami Louis Bert, que vous nous disiez un mot de ce que dit la postface du livre à propos des fameux 5 monts. Parce que vous avez parlé de l'Angleterre, mais l'Angleterre, le mont Gargan, on peut dire, est le point de départ, mais Saint-Michael Mount, en Angleterre, est parti du mont Saint-Michel français. Voilà, tout à fait. Il a été détruit complètement, éradiqué par le protestantisme. En fait, chers auditeurs, je vais essayer de parler pas trop vite, on est en même temps court. Mettez-vous dans la tête, ou si vous avez un planisphère sous la main, mettez-vous bien, mettez en face de vous donc l'Europe et le bassin méditerranéen. Imaginez donc que vous avez une épée en quelque sorte, et vous mettez ce qu'on appelle la coquille en termes techniques, c'est-à-dire l'extrémité de la poignée, si vous voulez, n'est-ce pas, sur le mont Carmel. Donc le mont Carmel, c'est au nord de Jérusalem. Et puis cette épée, donc vous l'orientez donc vers l'ouest. Elle va passer d'abord par le mont Gargan, qui est donc gros dans les Pouilles, grosso modo en dessous de Rome, si vous voulez. Donc la première apparition de Saint-Michel. Ensuite, vous montez dans la région de Padoue, à la Sacra di San Michele, donc c'est le deuxième point de passage de votre épée, donc de l'épée de Saint-Michel. Troisième point de passage, c'est notre mont Saint-Michel, donc en Normandie. Quatrième point de passage, c'est le Saint Michael Mount, donc qui est au sud, à l'extrême pointe de la Cornouaille, donc c'est le quatrième point de passage de l'épée de Saint-Michel. Et le dernier point, c'est le Skellig Michael, donc qui est à la pointe la plus occidentale de l'île, de la grande île irlandaise. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Saint Michael Mount, et qui est d'ailleurs en quelque sorte une réplique du Mont Saint-Michel, même sur le plan architectural, et le Skellig Michael, donc, ont été protestantisés et grosso modo détruits et devenus des îlots déserts, en tout cas où il n'y a plus aucune activité, aucune dévotion religieuse dessus. Le Mont Carmel, on sait dans quelle situation il est aujourd'hui, donc au milieu de l'état en question. Et puis vous avez en fin de compte, tiennent toujours, donc le mont Gargan, c'est-à-dire au sud de Rome, la Sacra di San Michele au nord de Rome, au sud de Padoue, et le mont Saint-Michel. Et donc vous avez cette immense épée, en quelque sorte, du prince des anges, de l'archange Saint-Michel, donc, qui tient encore une fois et la France et Rome, et c'est tout à fait symbolique. Et je vous recommande d'ailleurs de lire attentivement, au bout du Paul Féval, donc la postface donc, de notre ami Jean-Jacques Lot sur cette gigantesque épée angélique de 4300 km de long, arche reliant l'Orient à l'Occident, mais aussi l'Ancien Testament au Nouveau, est destiné à répandre et à protéger la chrétienté des assauts de Satan. Petit détail, c'est sur le mont Carmel qu'eut lieu le grand défi entre les 450 prêtres de Baal, et donc du démon, et le prophète Élie. Ça n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, tout ça. Oui. Saint-Michel, c'est vraiment ce pont, c'est vraiment cette aide providentielle
et physique, encore une fois, que Dieu donne, et à certaines conditions, plus exactement à ces conditions, n'est-ce pas, dans les combats que mène que mène l'homme, que mène le catholique terrestre. Alors, vous avez dû constater que Paul Féval cite très souvent Bossuet. Et en disant, en se réclamant de cette école providentialiste, cette école de l'histoire, cette vision mystique religieuse de l'histoire, cette conception religieuse de l'histoire. Et je sais que vous aviez envie de développer un petit peu cet aspect-là, Thierry Martin. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous voulez ajouter un mot à ce sujet ou... Oui, en fait, il existe, si vous voulez, mais je laisserai à Louis Hubert en parler. Il existe, si vous voulez, en fin de compte, dans l'école, dans les écoles, dans ce grand mouvement donc de restauration. Voilà. Dans ce grand mouvement de restauration donc de la religion nationale, comme disait Léon Gautier, c'est-à-dire du gouvernement royal, pour reprendre le titre de l'ouvrage de saint Thomas d'Aquin, « Dir Gemini Principum », donc du gouvernement royal. Et à partir du livre que je recommande aussi, mais nos lecteurs vont être vidés, ils vont vider leur poche avec tous les livres cités, donc le livre de Raoul de Varennes, W-A-2-R-E-N, « Les prétendants au trône de France ». Donc il y a trois écoles royalistes, si vous voulez. Il y a l'école légitimiste, dont moi j'ai été un militant pendant longtemps, c'est pas voilà, Branchenet, les Bourbons, comte de Chambord, etc., etc. Vous avez l'école orléaniste, qui est en fait une école révolutionnaire libérale, dont on ne parlera pas, et sur le plan philosophique. Et puis vous avez l'école providentialiste, qui est en quelque sorte la moins connue, et qui a un éminentissime représentant, la personne du marquis de la Franquerie, de André de la Franquerie, donc l'auteur du fameux livre « La mission divine de la France », n'est-ce pas ? Et donc nous sommes, Louis Hubert et moi-même, donc en quelque sorte les très modestes, en tout cas en ce qui me concerne, les très modestes continuateurs de cette école providentialiste qui, comme je le disais tout à l'heure, fait donc ce lien entre la mystique et la politique, n'est-ce pas, fait la politique de Dieu, on peut faire la politique de Dieu. J'avais l'habitude, moi, de dire, j'ai fait beaucoup de formations, de dire, mais c'est pas, ça n'est pas le cardinal archevêque de Paris qui dit le taux de TVA, mais c'est pas le ministre de la Justice qui apprend à monsieur le curé à dire la messe. Donc, école providentialiste qui, je passe la parole à Louis Hubert, donc, ne se reconnaît pas dans un quelconque prétendant parce que ça dégénère en bagarre de prétendants, et en même temps qui, encore une fois, dit que nous, ce n'est pas la politique d'abord, c'est Dieu d'abord dans la politique, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Et donc, nous ne choisissons pas de prétendants, nous suivrons celui que Dieu choisira. Voilà. Bon, ça a été le même problème sous Jeanne d'Arc, donc il y avait plusieurs camps, il y avait le camp de Charles VI, le camp des Anglais, le camp des Bourguignons, et le tout petit camp de Charles VII, du Dauphin, il n'y avait personne. Et donc Jeanne est arrivée pour dire, c'est le vrai camp. Eh bien, c'est le camp donc de Dieu qui avait donc dit à Jeanne de dire à Charles qu'il était le fils de son père, qu'il devait être sacré. Et c'est l'école providentialiste qui continue. Il y avait les Virions, la Franquerie évacuée. Et donc voilà. Terminer cette émission sans dire qu'il y a des messages qui nous sont arrivés. On a parlé de perturbations sataniques de la part d'un groupe de femmes à la chapelle du Val-de-Grâce. Bon. Savez-vous qu'il y a un courant tendance New Age néo-païen qui s'intéresse au Mont-Saint-Michel et tente à évacuer la dimension chrétienne de ce lieu ? Sur son bateau, Nelson disait la messe avant le combat. Oui, bien. Bon, c'est en marge de notre discussion. Je profite quand même d'être ici pour dire que j'ai sorti un livre aux éditions Saint-Rémy, mais vous pouvez l'acheter donc sur mon site aux ACRF, boîte postale 2. 44 140 Aigrefeuille, où vous avez 9 de mes livres que j'ai mis donc sur le site. Un livre où je reprends les prophéties de Holzhauser pour notre époque et une dizaine d'autres prophéties qui concernent terriblement notre époque. Hein. Bon, c'est un livre de 150 pages environ qui, avec le port, coûte 16 euros. Hein. Bon, qui permettra d'être un peu des repères importants pour surtout pas faire de bêtises à notre époque, parce que je pense qu'on va essayer de nous exciter dans des quantités de bêtises. Il faut être très prudent. Voilà. Et alors rappelons donc le livre « Les merveilles du Mont-Saint-Michel » de Paul Féval, édition Via Romana, 25 euros dans toutes les bonnes librairies. Oui, Thierry Martin. Je voulais dire un mot en revenant sur cette école prévénantialiste. En fin de compte, dans la vie physique, dans la vie de tous les jours, on n'agit pas dans le désordre. On doit agir dans l'ordre. Et en politique, puisque la politique c'est quelque chose de très important, c'est quand même le gouvernement des hommes, c'est le destin de millions et de dizaines, voire de centaines de millions d'âmes
avant même d'être des corps, ce sont des âmes. Et donc, il faut agir dans l'ordre. Et le problème, en fin de compte, aujourd'hui, il a été mal posé, et toutes les tentatives de restauration l'ont mal posé. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour relever telle ou telle situation, sortir la France de la décadence, etc., etc., effacer la dette de l'État, enfin, j'en passe, c'est des pires. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir. Il faut dire quels sont les principes qui nous permettent de refonder l'État, n'est-ce pas ? La société chrétienne, quel est le but de la société chrétienne ? Et c'est à partir du moment où on aura posé ces principes, qu'on aura retrouvé le but de la société chrétienne, qui est le but de la société chrétienne, c'est le salut du plus grand nombre, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra retrouver quelque chose d'efficace et que la restauration sera véritablement possible. Alors, je précise que nos amis Thierry Martin et Louis Hubert seront présents à la journée chouane, à Chiré en Montreuil. Hein, le dimanche 1er septembre, et qu'ils dédicaceront donc leurs ouvrages, à savoir le fameux La vraie mission de Sainte-Jeanne d'Arc et les livres, j'imagine, dont vous avez parlé, qui sont présents sur votre site. Et Thierry Martin aura la gentillesse de signer le livre de Paul Féval, sa préface au livre de Paul Féval, Les merveilles du Mont Saint-Michel. Il y aura d'ailleurs présent cette journée chouane Philippe de Villiers, ce qui fait que vous devriez tout ne l'ouest, pas être. Oui, tout l'Ouest y sera, je pense. Oui, ça se dit déjà, ça se raconte partout. Ils sont tous derrière la bannière rouge. Non, ces Vendéens sont tellement merveilleux dans leur combat. Et Philippe de Villiers, dont j'ai admiré le livre sur Charette, est très enthousiasmant. Même s'il n'a pas tout compris dans tous les détails, etc. Tout, mais il a compris beaucoup de choses. Enfin, un homme politique de la République qui quitte la République et ses privilèges, c'est quand même assez remarquable déjà. Et nos amis de Chiré, nos amis d'enfance. Puis c'est le créateur du Puy du Fou. Absolument, tout à fait. Tout à fait extraordinaire. Tout à fait. Voilà. C'est vrai. Sans un centime de subvention publique. Non. Et j'aurais aimé dire un mot. Je vais terminer cette émission en lisant un petit mot de Paul Féval. « Je crois à la bonté infiniment tendre de Jésus. Je sais qu'il peut tout. Ma joie est de penser à la chère puissance de ses anges et de ses saints. Je regrette et j'envie la foi presque enfantine et tout imprégnée de suave poésie, de ces temps heureux où le monde jeune, confiant, crédule même, se voyait grandir et en était reconnaissant, au lieu de racornir comme aujourd'hui, dans l'arrière-boutique de l'examen, la docte ignorance, l'expérience découragée et l'égoïsme caduque de sa vieillesse. »